J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture de display. La display en question, c'est Accès à la Cyber Tempête, une extension que j'attendais beaucoup puisqu'elle a fait pas mal parler d'elle en OCG. Il y a beaucoup de supports très intéressants pour les cybers, pour les supra lourds. Il y a du support de Glace, il y a du support Albas, il y du support bisted. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Il y a beaucoup de choses que j'attends pour pouvoir faire évoluer mes decks à l'intérieur. C'est un produit qui sort le 4 mai en TCG et voilà, j'ai la chance de l'ouvrir un petit peu en avance aujourd'hui et de vous présenter tout ça en exclusivité. Donc merci à Konami. Si cette vidéo te plaît, bien évidemment, le pouce, la. Et moi je vous invite pas plus avec l'intro, on va directement à l'ouverture parce que je sais que c'est ce que vous attendez et moi aussi en vrai. C'est parti. Ok donc on se retrouve avec notre display, accès à la cyber tempête, un beau firewall qui a l'air bien incroyable juste ici et l'information, 9 cartes par booster et 24 boosters par display. Tac, j'ai ouvert le, le petit plastique et on va pouvoir tout couvrir et bien tout simplement ces boosters là. J'ai bien trop hâte de découvrir, de voir un petit peu ce qui tombe et ce qu'on va pouvoir dropper dans ces booster. Oh, la moto supra qui est une commune. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Double hameçon, ça fait partie des cartes que je cherchais vraiment, donc je suis très content. Double hameçon, commande est arrivé ici. Vraiment, j'aimerais bien faire une vidéo sur toutes les cartes Dai qui existent. Derrière, on a du euh, Memleria, donc c'est protecteur du rêve de Memleria. Tac, c'est une commune et on a Dragon du Souhait qui est notre première super du coup, tac, on va se la mettre juste ici. Brillant et Flamboyant, Roi du Marqué, Fierté d'Or donc euh, le support pour, euh, pour Fierté d'Or, Appui sur le Champignon, du Cachetira, Astra Cachetira et on termine avec le nouveau Purée Lily, Black, qui est celui qui devrait rendre le deck encore plus pénible qu'il l'est maintenant. Et bien c'est une commune également donc c'est euh, assez fou. On enchaîne, on a déjà eu cette carte-là, Nouvelle Frontière, où on voit à nouveau Kit, et puis, euh, et puis des cartes Springant. On a du Nouveau Monde Virtuel, ok, fufu, je n'avais pas l'info, je, euh, je suis content, et puis content pour tous les joueurs au monde virtuel en règle générale. Fierté d'or, c'est serré, et derrière on a Bête Mystique de la Forêt, avec un petit chat, très mignon. Euh, les les, les, les terre sont assez contents de ces cartes-là. Du Earth Manadium cochon d'acier VS piqué dans le clos. OK, incroyable la carte. Atsugei et derrière, on a du support Solfacore, OK. Alors le fait que la moto Supra lourd soit une commune, c'est une très bonne nouvelle. Duplication de fusion du Kitsuni Kitsunebi. OK. <laughs> Renforcement, donc c'est pour le deck secours As Derrière, on a la nouvelle, le nouvel extender euh, Supra lourd qui est également une commune auquel elle, elle s'équipe à n'importe quel supralourd et elle va venir se spé. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et on a du Menleria rêveuse juste derrière. En super rare, Sakitama, Pendule lune. Oh, l'artwork est sympa. Ça fait un peu Dark World, je sais pas ce que vous en pensez. Cochon d'acier et prévention d'Inomorphia. Je ne savais pas qu'il y avait du Décidément, ces boosters-là, il y a vraiment beaucoup de cartes différentes. Alors, du support pour les decks sushi, c'est ça Ça a bien l'air, donc plutôt bonne nouvelle. Étude du marqué euh, Danse Mikanko, donc du support Mikanko, décidément, il y a beaucoup de support. Une deuxième moto supra-lourd, et derrière, on a une première ultra, et c'est une jade glace, elle est très belle. Euh, je sais pas, ça, ça rend pas très bien la caméra, je trouve. Mais elle est vraiment sympa. La Sage Cybers, qui est une excellente carte pour le deck Cyber. Je suis très content de la récupérer. C'est une fois un, mais, euh, mais voilà, je suis très content de la récupérer. Atsugei, euh, le Royaume déchiré incolore. Et derrière, on a la Scale. 8, alors le scale niveau 8 mais scale 1 pour supralourd qui est une commune également, décidément ce support supralourd et euh, qui risque de rendre le deck très fort et euh, en, en lourd rareté Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les joueurs supralourd. Fête de beau rêves euh, du cybers fusion, donc ça c'est plutôt cool parce que ça va un peu en combo avec, euh, avec ceci, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, je suis assez content de la récupérer, pareil je la cherchais que x1, tac, le madamanium, euh, chevalier, moi le général comète qui est plutôt beau. Et derrière on a une deuxième ultra et c'est du constellé. Et eh ben écoutez, euh, bon flow. Déjà les constellés, on sait qu'ils ont toujours du bon flow. Celui-là, encore plus. Du Purelli, pendentif, pendule, Souvenir endormi, purelli et le royaume déchiré incolore. Bon et eh écoutez, tout ce que je cherchais pour l'instant est en l'eau rareté, ce qui fait que ça ne devrait pas me coûter trop cher de faire mes decks. <laughs> Fana des oreilles de lapin, le Argyros, le déchu, qui est très très beau. J'aime beaucoup l'artwork. Nouvelle frontière qu'on avait déjà vue, fufu qu'on avait déjà vue, et derrière on a une super qui est moisson ange de la mort du double avatar fusion. Ah bonne nouvelle nuage euh, bête de nuage doré qu'un dragon synchro syntoniseur. À mon avis c'est le genre de carte qui peut faire des dingueries, c'est plutôt une, à mon avis une bonne carte cochon d'acier, Piqué d'enclos et tour des rêves de la princesse Melmeria. Commandei est arrivé ici, qu'on a déjà eu, euh, Princesse impériale, Queen Query, qui est plutôt belle, Invention, invention Manadium, le, le monstre qu'on a déjà eu tout à l'heure, et à nouveau du tel chevalier en super cette fois-ci, qui est plutôt cool, la tour, le dragon, on se le met de côté, on se le lira tout à l'heure, le Solfacore, et le double avatar Bon, est-ce que c'est la pendule 8 qui va du coup euh, être, euh, être en haute rareté pour les decks 6 euh, samouraïs, euh, samouraïs supralourd, duplex total actif, la fusion cybers, du mikanko, du, euh, des cartes sushi, et derrière on a du manadium, à nouveau, alors à nouveau non, on n'en avait pas encore eu, mais en super rare, qui est euh, plutôt intéressant, une petite bulle de vie euh, plutôt cool. Souvenir endormi Purelli. Euh, allez, abonnementation de l'incroyable. Du Purelli. Et on termine avec encore un extender euh, pour lourd Qui est encore une fois en commune. C'est assez ah, cool. Elle va venir 7 une carte du cimetière de l'adversaire sur notre terrain. Et on va pouvoir du coup l'utiliser par la suite. Pareil, c'est joué x1. Euh, J'ai l'impression qu'il n'y aura que la... La, la, la pendule euh, qui sera en haute rareté, on verra bien. Fête de beaux rêves, Melmeria, duplication de fusion, double hameçon, fierté d'or, et attention, du solfacore en super, en lien 3 du coup, ok, plutôt cool. Du fierté d'or, Sakitama, euh, Astra, Astra Kastira, et protecteur de rêve. Oh, lui il a un bon flot par contre, lui il a un bon flot. Alors, la fusion Cybers, Kitsunebi, Recadrage Management, qu'on n'avait pas encore eu. D'ailleurs, on a le général des comètes que l'on avait déjà eu. Et une première secrète qui est très très belle, messieurs, dames. Albion, le dragon sanctifeux, un Albaz et un monstre lumière magicien non utilisable comme matériel fusion. Euh, votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte. Vous pouvez utiliser chacun de ces effets. Qu'une fois par tour, durant le tour de votre adversaire, fait rapide, vous pouvez cibler deux monstres dans le cimetière, invoquer les spécialement les deux monstres sur un sur chaque terrain. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez sacrifier quatre monstres, les deux dans la zone extra et les deux dans la zone main centrale. Et si vous le faites invoquer spécialement cette carte-là, ça peut être très fort. Et en tout cas, c'est notre première secrète rare, ça fait. Plaisir et derrière on enchaîne. On a un petit peu de supra lourd et quelques cartes que l'on avait déjà eues. Enchaînons, enchaînons. Renforcement, le déchu, Fana aux grandes oreilles euh, du manadium et derrière on a protecteur bavard qui est une super également. Oh là là, c'est fou. C'est fou parce que je pensais vraiment que ces cartes-là seraient en plus haute rareté. Donc, ça, c'est un très bon Code Talker. C'est un Code Talker Dark, Protect Code Talker, Protecteur Codeur, pardon. Euh, L'adversaire ne peut pas cibler les monstres de minion niveau 4 que vous contrôlez par cet effet, par des effets de carte et aussi ils ne peuvent pas être détruits au combat si vous contrôlez un monstre lien. Par feu, effet rapide, vous pouvez bannir cette carte, euh, bannir un nombre de monstres liens depuis votre cimetière dont la somme est égale à exactement 3. Invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière et bannissez lorsqu'elle le quitte. Euh, c'est très fort. Voilà, c'est une carte qui va revenir sur le terrain et ça permet de faire beaucoup de plays euh, autour des codeurs, autour des au cours, autour de plein de necks. Et franchement, c'est plutôt une bonne chose. Tac. J'aimerais beaucoup avoir une troisième moto, comme ça on serait tranquille, j'aurais le playset. Et puis j'aimerais bien voir euh, quand même la petite euh, Scale 8 pour voir. Euh, sa rareté, Duplex Total, le Mikanko, la Duplication. Et derrière, on a Sinet Rollback avec un très beau Access... Euh, access... Non, c'est pas... C'est un décode-talker ça. Euh, qui est très très beau. Hop. Et on enchaîne. Bon. Une Secret deux Ultras. C'est-à-dire que normalement, on a fait à peu près la moitié de la boîte. Invention Manado, la Princesse Impériale, nouvelle frontière du Mikanko et bestial, le Bestial Alubert. Qui a un bon flow, hein. on va pas se mentir. Hop, on a une deuxième fois la pendule. Donc là, techniquement, il me manque rien en supra si ce n'est la scale niveau 8. Et euh, le... une moto. Alors, double hameçon. Commander y arriver ici. Fierté d'or. de circuit qu'on n'avait pas encore eu. Et derrière, on a une ultra qui est la grosse carte avec 4000 de défense. Qui permet malheureusement le FTK dans lourd Mais écoutez, je suis content de la récupérer. Franchement, ça m'évitera de l'acheter. Et, euh, et ça fait plutôt plaisir de l'avoir en Ultra. Et elle a un bon flow. Et ce qui permet de faire le FTK, c'est le fait qu'elle ait 4000 de défense. Hop, et si on peut avoir la moto... Oh Alors attendez, on a le fantôme par feu, qui est une très bonne carte, que je suis content de récupérer. Cette carte envoyée envoyé cimetière comme matériel, euh, pour le Comme matériel pour l'impression d'un monstre lien, vous pouvez ajouter une magie sinette depuis votre deck à votre main, puis défausser une carte. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière durant la une phase de ce tour, mélanger un mon Cybers depuis votre cimetière dans le deck. C'est plutôt cool. Ça permet à la fois d'assassin une night minage ou d'aller chercher des magies pour faire des, des, des effets de, 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 de synchro ou quoi que ce soit. Euh, pas de synchro de, de rituel. Et en plus de ça, ça permet de remettre du matériel nécessaire. À tes combos, donc notamment tes cartes de l'extra deck dans ton deck à la fin. C'est franchement très fort. Ça, c'est une carte, sûrement une fois un, mais c'est une très bonne toolbox pour euh, Cybers. Renforcement le Kitsune du Mikanko, étude du marqué, et derrière, on a le Mouton Absurde Sacré. Voilà, c'est une X64 qui a euh, plutôt un bon flow. Euh, c'est une plante de niveau 4. Vous un matériel, ciblez un piège normal dans votre cimetière, placez-le au-dessous du deck, puis piochez une carte. Ça, déjà, c'est très très fort. Sachant que niveau 4, bon on a vu, il y a beaucoup de decks pièges qui peuvent faire de niveau 4 très facilement. Si une carte piège normale est activée, peut détacher un matériel X de cette carte. Et si vous le faites invoquer spécialement, c'est un monstre au niveau 4 depuis votre main. Euh, bon, la carte la carte a un bon potentiel. Hein, on va pas se mentir. Ah, ben bah, on a un deuxième, une troisième scale et un deuxième euh, pare-feu. On enchaîne, on enchaîne de circuit, le mikanko, euh, duplication de fusion, la princesse et derrière on a ruin heart maladium qui est une très bonne carte je suis content de l'avoir récupéré euh, on voit dessus clairement le petit visa Starfrost avec un flou incroyable c'est une très bonne carte et euh, bah, du coup ce qui veut quand même dire une chose c'est que si la pendule est une X68 est une, une ultra, et eh bien on ne la verra pas de cette extension. En tout cas, il y a de faibles chances. Le duplex, le sushi, le tigre, le renforcement, et derrière, on a Renaissance des 7 Empereurs, Voilà, en super rare. Et on n'a toujours pas la moto, décidément. Cette moto qui tombe pas beaucoup, bon, on en a déjà eu deux, c'est pas mal. Mais c'est vrai que si on pourrait en avoir une de plus, ah bah voilà, bah, que demande le peuple mais bah, écoutez, je veux que la deuxième scale soit une super et qu'on la fasse tomber dans ce booster, attention. Pas du tout, voilà, pas du tout, c'est bien dommage, mais ça aurait été sympa. Donc, on a déjà eu cette carte-là. Tac, et eh bien écoutez, il ne me manque que cette pendule et euh, évidemment les gros, euh, les gros cybers. Mais bon, à mon avis, les gros cybers. Alors, il nous reste une secret, il y a peut-être encore des chances. Le déchu, tac, et derrière, on a du Manadium également. Manadium qui risque d'être un archétype assez intéressant, en tout cas qui peut faire des trucs et qui joue au cours, encore une fois, du lore Terra Element, etc. Alors, du Kitsunebi, Sinet Circuit, du Mikanko, Fana, et derrière, Ruchissement, brigade Alors, du Cyborg pour, pour Trébrigade, c'est plutôt cool. Et euh, franchement, je trouve que les artworks de ces extensions, il y en a beaucoup qui ont un bon flow, euh, un peu combat, etc. Franchement, c'est plutôt cool. Il nous reste 4 ou 5 boosters, j'arrive pas à avoir euh, discernement. Fufu, la fusion, euh, Duplex Total. Le double hameçon, Et derrière, c'est une super rare. On n'a juste pas eu de chance. On n'a pas eu beaucoup. Mais c'est une super rare. Ça fait extrêmement plaisir. Euh, donc en fait, pour le combo, pour ceux qui ne connaissent pas, ces deux cartes-là et celle-ci vont vraiment rendre le deck supralourd lourd très fort. Puisque celle-ci active celle-ci du deck. Et l'aspect, elle-celle-ci, permet d'aller chercher n'importe quel supra lourd du deck. Donc c'est vraiment très fort. Euh, et euh, bon, on n'en a eu qu'une seule. Dans le... Alors, en tout cas pour le moment. Mais je suis content d'avoir eu l'info qu'elle soit en super. Et, euh, et c'est plutôt une bonne info. Ah, la secret, je l'ai vu, elle est juste derrière. Roulement de tambour, messieurs-dames, c'est un monstre. Je l'ai vu. Et c'est Fierté d'or, Rouleur à Qui est une carte avec un enfant. Euh, <laughs> plutôt marrante. Et euh, voilà, c'était la deuxième secret de notre extension, de notre display. Euh, on aura eu toutes les cartes, toutes les infos sur les raretés qui m'intéressaient. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et on va continuer. On a eu une deuxième fois le petit. Euh le petit lapin, le petit chat, pardon, euh, qu'on a eu au tout début, et je reviendrai sur la bête euh, nuage doré, euh, ma langue, là, parce que je pense que cette carte-là peut être intéressante, et je voudrais faire un point avec vous sur ça. Une quatrième moto, et attention, dernière super, c'est du tel chevalier, tac, et on en a terminé avec cette ouverture, j'avais dit que je reviendrai dessus. Hop, je vous lis la carte, comme ça, ça vous permettra de savoir un petit peu ce qu'il en est, c'est un dragon niveau 6, synthoniseur synchro, 1, c'est générique puisque c'est un synthénier et un autre Si Cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez augmenter ou réduire son niveau de 1. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, envoyez-le à la main. Ok, c'est plutôt cool. Le fait qu'on puisse augmenter ou réduire son niveau, ça peut avoir un impact dans le jeu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je trouve qu'on a une ouverture pas trop mal. Au niveau des super tacs et des ultras, je pense qu'on a été assez gâté. On va pas se mentir, euh, on a eu des belles secrets et on a eu des belles ultras. Au niveau des secrets, on a eu alors une fierté d'or. J'avoue que j'ai pas vraiment d'avis sur le deck pour l'instant. Mais surtout, Albion le dragon sanctifieux qui est très très beau. Et derrière, on a eu du jet de glace, du constellé, du supra lourd. Et du Madanium avec Rium Earth qui est vraiment BG. Et bien voilà messieurs dames, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis très surpris des raretés de quasiment tout. Je pensais vraiment que les cybers, que ce soit le Cold Talker ou encore euh, le, le, la rituel ou la fusion, seraient dans des raretés supérieures. C'est vraiment une bonne nouvelle qu'elle ne le soit pas parce que ça veut dire que la carte sera plus accessible. Pour ce qui est du supra lourd, je m'attendais vraiment à des très grosses raretés. C'est pas le cas. Mais ça fait extrêmement plaisir parce que du coup les cartes seront accessibles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, merci à Konami de me permettre de faire ces genres de vidéos en avant. C'est vraiment cool le découvrir. Moi je suis comme un gamin dans un magasin de jouets hein, vraiment sur ces vidéos là et je pense que ça se ressent parce que je découvre tout ça en même temps que vous et je trouve ça trop cool. Si cette vidéo vous a plu bien évidemment le pouce, l'abonnement et sans plus attendre, prenez soin de vous, faites nombreux duel et collection de carte. Surtout bientôt les potes. Allez, ciao